Bonjour. Alors maintenant, pour la percussion, nous avons deux instruments, le cajon et le djembé. Normalement, on peut jouer les rythmes que je vais montrer sur l'un ou l'autre. Donc on peut alterner. Mais pour notre présentation, le rythme, le premier rythme qu'on a, c'est le pop rock. On va le jouer sur le cajon. Alors ça va comme ceci. Nous avons deux sons. On a un son plus profond qui est la grosse caisse et on a la caisse claire qui est sur le bord ici. Alors le son profond et la caisse claire comme ceci. Pour le premier rythme, c'est un coup pour la grosse caisse suivi d'un petit coup clair. Ensuite deux coups profonds et un coup clair. Donc ça c'est pour le refrain du rythme pop rock. Donc pour montrer l'ensemble, c'est comme ça. Donc je refais la séquence, c'est un coup, un autre coup, deux coups, un coup. Alors lentement. Voilà, donc on remarque que les deux coups du milieu, ça veut dire on a un coup comme complet, un autre temps complet, les deux coups qui suivent sont un peu plus rapides, et ensuite un coup. Donc plus vite. Donc ça c'est pour le refrain. Maintenant pour le couplet, ça reste le même rythme, sauf que pour faire une petite variation, on va essayer de mettre moins de son dans le couplet. Alors on enlève seulement le deuxième coup, qui est clair, celui d'ici. Alors ça devient comme ça. Donc vous remarquez, on compte le même temps, mais on enlève un seul coup, celui qui est le coup clair qui est là. Plus lentement. Et maintenant plus rapidement, rythme normal. Pour répéter ces rythmes et pour s'entraîner, vous avez deux options. Dans la description, vous trouverez une vidéo qui va vous permettre de jouer l'instrument même. Alors vous voyez comment l'instrument est joué et vous pouvez vous entraîner. Ou bien vous pouvez aussi, avec l'autre vidéo, avoir tous les instruments sauf le vôtre. Comme ça, vous pouvez jouer comme si vous jouez dans un groupe.